Donc, je m'appelle Jérôme Claveau, co-gérant de la société Allium Boss Company, située à Pathé, dans le 45. La totalité de ce que fait Allium Boss Company, c'est du stockage et du conditionnement d'oignons. On fait aujourd'hui environ 35 000 tonnes, qui va de l'oignon jaune, rouge, rose, ail, échalote et échaillon. On implante au mois de mars-avril, qu'on récolte au mois d'août-septembre et qu'on stocke du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Et donc on a commencé en 2016 avec 4 tracteurs et aujourd'hui on en a une vingtaine. Qui démarre au 6S pour le chargement, des 7S sur les plateaux et des 8S sur les remorques 24 tonnes. On essaye que ça soit des tracteurs faciles à conduire pour nos chauffeurs qui sont souvent des saisonniers ou des retraités. En règle générale, c'est toujours la même configuration, c'est des 8S 205 ou 225 avec une boîte Dynaset avec option d'écran et GPS ou pas. Aujourd'hui, tous les tracteurs qui sont avec la télémétrie, ça nous permet d'une part de les localiser pour savoir quand est-ce qu'il va revenir, où est-ce qu'il est parti, s'il a pris le bon chemin. Et après, on souhaite demain regarder un petit peu plus les coûts. On n'a pas pris le temps pour l'instant de faire, sachant qu'on n'avait pas tous les tracteurs qui étaient avec cette option-là. Le tracteur est très confortable sur la route et facile d'utilisation. Et après, les quelques petits détails qui des fois nous embêtent en saison, le concessionnaire pallie à ça rapidement, même très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a encore continué cette année avec de nouveaux tracteurs. Les atouts majeurs qu'on a tous les ans, même des gens qui ne connaissent pas la marque, c'est le confort au niveau du transport, la conduite qui est facile à comprendre et la fiabilité que nous on recherche surtout dans la grosse période de saison. C'est une marque française, donc on peut être aussi fier d'une production française encore aujourd'hui. On en est totalement satisfait, sinon on n'en aurait pas 20 aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les conducteurs sont contents, nous indiquent pas de bruit ou choses comme ça. Donc on cherche pas plus loin quand tout le monde est content et que c'est fiable.